Allez, on va poursuivre comme ça notre exploration de la vie littéraire. Nous étions au bistrot tout à l'heure, on est passé dans les cases de la bande dessinée, on était faire un tour en Corse avec Ariane Chemin, et puis alors on avait le boss, Hugo, tout à l'heure avec nous. Ah, tout fout le camp, ma bonne dame, si vous saviez. La littérature, c'est fini. Regardez, le niveau baisse, la littérature a disparu. Ben voilà ce qu'on entend loin du paradis qu'est cette grande librairie. Circuler, il n'y a rien à lire, la littérature est morte. Qui a commis le crime? Où est passé le corps? Enquête du commissaire Cadio, Olivier Cadio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Dramaturge, romancier, à qui l'on doit l'excellent Colonel des Oies, il y a quelques années, ou encore un mage en été. Et voici le premier volume d'une histoire de la littérature récente, publiée aux éditions POL. Alors, vous allez tout savoir sur la littérature, mais vous allez bénéficier également, gracieusement, de somptueux conseils d'écriture, ce qui intéressera tout le monde, puisque dans ce pays, il y a désormais plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Bon, qu'est-ce que c'est la littérature récente, avec d'immenses guillemets, Olivier Cadio? Alors, je sais pas, alors justement, j'ai plusieurs tomes pour essayer de savoir ce que veut dire. Récent, c'était pratique pour éviter contemporain ou moderne. Récent, c'est très près de nous, mais ça peut aussi être assez loin. Hugo, est-ce qu'il est si... peut-être un peu récent, oui. Quelquefois. Finalement, un livre de Hugo qui vient de sortir peut être récent. Le récent, c'est un peu mou, comme ça, c'est un peu presque... En même temps, je dis dans le livre, est-ce que vous auriez envie de manger du saumon récent? Oui, par exemple. Pas sûr. Voilà, c'était aussi une manière de... Enfin, c'est pas vraiment une histoire, c'est plutôt une histoire prospective, puisqu'il n'y a pas une histoire sans nom et sans date. Voilà, alors problème, vous avez réussi quand même à mettre... Pour l'instant, oui. Il n'y a pas un seul nom propre donné. Peu. Ah, je les ai mal vus, alors. Il n'y a pas de date non plus. Pas trop, oui. Pour une histoire, ça pourrait apparaître un peu embêtant, mais c'est une histoire pour après, j'espère. J'avais déjà fait une revue il y a 20 ans chez POL qui s'appelait la Revue Littérature Générale, qui était un titre général, c'est un peu comme récent. Et c'était aussi une manière de rêver du livre qu'on voudrait lire en 2022. Et là, finalement, je poursuis ce projet, c'est-à-dire de réfléchir à l'écriture de manière un peu amusante aussi à des moments. Ah oui, je vous confirme, c'est très amusant même. Bah si. Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est que, bon, parce que ça parle de l'idée, la littérature a disparu, c'est une tarte à la crème, on l'entend souvent, ouais. C'est devenu une idée culturelle comme ça. Alors je me suis dit, ah bon, elle a disparu? Bon, alors prenons ça, prenons acte. Et à ce moment-là, la solution, c'est de s'approcher tellement près d'elle qu'on ne voit plus grand-chose. Qu'est-ce que vous leur répondez, justement, à toutes les pleureuses qui nous expliquent? Justement, je réponds rien. Parce que si je commence à dire, ah non, 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 nous, on fait des choses, nous, la littérature expérimentale, ça continue. C'est ce que disait Michel Dehi il y a 20 ans. Il disait, voilà, on est une réserve d'Indiens. Alors, il y a un moment, c'est agréable de sortir de la réserve et de ne plus savoir où elle est. Et bien sûr qu'elle continue, mais on n'a pas à le dire. Et du coup, je reprends l'enquête au départ et je me mets très, très près. Je mets au milieu la bataille, quoi. Donc on voit un peu de brouillard. Ça m'amusait beaucoup. Ça m'amuse de faire ça. Est-ce que tout ça est parti de cette remarque assez désagréable quand même qu'on a dû vous faire un jour? Enfin, comme c'est un ami qui l'a fait, bon, ça passe. Il dit, mais pourquoi tu écris comme ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est très drôle. Non, mais très gentiment. Vous voyez, Guillaume Gallienne, on donne un livre d'Olivier Cadio, ou alors vous l'offrez, on imagine, à un copain. Il dit, non, c'est bien, mais pourquoi tu écris comme ça? Mais gentiment, c'est encore plus gentil. Hein. C'est ce qui est pire. C'est amusant, c'est amusant. C'est comme si la littérature restait toujours incompréhensible ou bizarre. Et ce qui est très beau d'ailleurs, cette idée qu'elle se... Simplement, elle se modifie beaucoup, elle change. Moi, quand j'ai commencé à écrire, il y avait une vraie bataille entre le lisible, l'illisible, etc., l'expérimental contre... Maintenant, les cartes ne sont pas les mêmes. Et ce qui m'amuse, c'est de recommencer le chemin, modestement. Hein, mais vous, par exemple, Olivier Cadio, est-ce que vous rangez du côté de l'expérimental? Ah, je ne dis pas, c'est secret. Ouais. On n'a pas le sentiment. C'est ça qui est bien avec vous, c'est qu'on rit, on sourit, on se dit, il pousse quand même un petit peu loin le bouchon, Cadio, là, en ce moment. Et puis, tout à coup, vous nous cueillez en nous mettant face à nos propres contradictions. Alors, les contradictions ici, en tout cas les nôtres, c'est quand même l'idée des clichés. L'idée que la littérature est une thérapie. Vous avez entendu ça, Guillaume? L'écriture, la littérature, c'est une thérapie. Vous dites, non, pas du tout, c'est pas ça, absolument pas. Recopier, ça ne soigne rien. On ne supporte pas mieux les choses en les dédoublant par des mots, comme si ça irait mieux en le disant. Ben oui, ça va mieux en le disant, quand même. Ça dépend, oui, oui, je ne sais pas. Disons que la littérature, l'intérêt, c'est d'oublier les idées générales. Parce que sinon, par exemple, là, je fais une histoire, mais je ne suis pas historien, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas essayiste. Je n'ai pas essayé de changer de langage. C'est-à-dire, je n'ai pas... pris une compétence que je n'ai pas. Donc il n'y a pas d'idée. C'est un essai sans idée. C'est-à-dire je m'approche des détails et donc je donne des conseils mauvais, quelquefois bons, j'en donne à moi. Et finalement, je ne parle pas tant d'écriture que de lecture aussi, au fond.
de cette chose. Il y a un on qui parle à un tu, qui parle à un vous, qui parle à un je. Ça circule. Vous parlez surtout de l'écriture, pour ceux qui ont envie. Oui, d'écrire. Mais alors. Vous essayez de dissuader tout le monde, quoi. Non, si, enfin, oui, j'essaie de freiner un peu, oui, oui. Non, j'essaie aussi, moi, de m'empêcher. Enfin. C'est un jeu de rôle qui est amusant. Ben, la littérature, c'est ça. C'est aussi un système d'échange très, très compliqué entre les lecteurs, les écrivains, etc. Et donc, c'est aussi un jeu de pistes que j'essaie de retracer, là. On va prendre quelques exemples. On dit souvent que dans un livre, Frédéric Vitou, je ne sais pas si on dit ça à l'Académie française, qui est très codé aussi, hein, c'est un style académique. Il y en a plusieurs. Oui, enfin, c'est très codé apparemment et très, non pas, et très décodé dans l'intimité. Ouais. Voilà. Vous pourriez faire rentrer Olivier Cadieu à l'Académie française. Tout une bonne idée. Tout hein, est possible. Possible. Oui, bien sûr. Et peut-être d'ailleurs s'organiser dès maintenant, dès ce soir. Bien sûr, alors quel sûr. Fauteuil moi, j'aimerais bien. Le problème des fauteuils, c'est ça. Ça ne vous embête pas qu'on vienne du fauteuil. Quoique, le fauteuil, ce serait bien déjà. Il y a des mauvais fauteuils, il y a des bons fauteuils. Enfin bon. Cela dit, il y a justement dans cette histoire de la littérature récente tous les conseils qu'il faut donner et sur lesquels les académiciens devraient, à mon avis, méditer. Par exemple, celui-ci, ça c'est un conseil très précieux, on dit dans les livres, il faut mettre de l'air, hein. faut qu'il y ait des blancs, il faut qu'il y ait de l'air, il ne faut pas étouffer le lecteur. Conseil d'Olivier Cadieu, page 147, s'il reste des blancs, faites des meringues, en évitant de trop cuire pour que l'intérieur reste un peu mou et produise sous la dent de soudains petits blocs. La poésie, oui. Oui, oui. Poésie c'est un bon conseil. Je ne sais pas si c'est un très bon conseil, celui-là. Il y en a un autre j'aime bien. Profitez-en, c'est gratuit. Comment écrire quand on n'a qu'une seule idée? Réponse, c'est très simple. Balancer dessus une grenade à fragmentation. Oui, pour essayer. Bah, c'est ce que j'essayais de dire. Oui, la littérature, ce qui a. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, ça. Oui, bah oui. Mais dans le cinéma aussi, hein, parfois. Il n'y a vraiment qu'une seule idée. On sent qu'ils ont juste balancé une grenade à fragmentation, mais il n'y a qu'une idée. Oui, ils n'ont pas. Ou le problème, c'est qu'ils l'ont mis sur un piédestal, l'idée. S'ils avaient au moins démoli l'idée, ça aurait été plus marrant. Mais là, quelquefois, on a des grosses idées. Enfin, littérature. Le seul intérêt par rapport au reste des arts, c'est quand même de regarder les détails. Oui. Sinon, c'est pas intéressant. Sinon, on fait autre chose. Il y a d'autres métiers magnifiques. Voilà, moi, j'admire beaucoup. Je lis plutôt de la philo, par exemple. C'est pas du tout le même métier. Donc, nous, on doit travailler. C'est beaucoup plus rusé. On s'approche très, très près des questions. C'est la chasse. C'est amusant. Pourquoi écrivez-vous, vous, Olivier Cadieu? Je peux, comme dans les Alcooliques Anonymes, je passe mon tour pour écrire. Alors voilà, oui, bah, écoutez, comme je ne sais pas, et que plus j'avance, je vais vous faire une réponse un peu bébête, mais comme je ne sais pas, comme ça avance et que c'est de plus en plus excitant, je fais une enquête pour repartir du début. Alors, c'est une drôle de méthode. Je pense que je commence à comprendre, parce que moi je fais aussi beaucoup de la poésie orale, de la performance, etc. Je suis fidèle à ça, je suis fidèle à la poésie expérimentale, comme on disait autrefois. Et simplement, peut-être que j'apprends à écrire et j'apprends progressivement à défendre la même sensation littéraire avec des choses qui ont l'air plus, pas classiques, mais peut-être que je remplace les blancs par des tirets. Mais bon, j'ai mis du temps. Hein. Alors, voilà, pourquoi écrivez-vous pour ça? J'écris parce que c'est encore assez merveilleusement nébuleux et que je m'amuse beaucoup encore. Il y a peut-être une autre façon, en fait, de trouver la réponse, c'est de dire pourquoi on n'écrit pas ou contre quoi on n'écrit pas. Ah oui, les gens disent, voilà, moi, voici les auteurs dont je descends. Vous ne les citez pas, mais enfin, on sent bien ce qu'il y a. C'est les auteurs qui vous ennuient ou contre qui vous écrivez. Alors, vous l'écrivez différemment. Avec ceci, qui tout à coup, entre deux propositions humoristiques et plutôt très sérieux, page 87, on n'écrit pas en écrivant. Formule, ça, c'est une formule Blanchot qui me plaisait quand j'étais en hypocat. Il disait, comment écrire en n'écrivant pas? Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je trouve ça très beau. Maintenant, je commence à comprendre. On n'écrit pas en écrivant. Oui, parce qu'on n'écrit pas, enfin, on ne fait pas des phrases. On assemble patiemment pendant des années ou des années. Enfin, Paul Auster, je crois, a mis 4 ans, 3 ans, on l'a su tout à l'heure. Voilà, on assemble. Ça ne veut pas dire que c'est du collage ou que c'est de la manipulation. Mais c'est un travail, je ne sais pas, presque de sculpture plus que de. Donc, écrire, je ne sais pas si peut-être ça vous arrive, mais de se réveiller le matin et de faire une. Je ne sais pas, d'être directement Chateaubriand, je ne sais pas. Plutôt rien. Rien qu'à faire. On se lève le matin comme ça. Faire, Alors, il y a aussi. Il est incorrigible, Olivier Cadieu, quand il nous a dit 2-3 choses comme ça un petit peu fort, paf, ça y est, il repart du côté de la rigolade. Pas de style. Ça n'est pas une affaire de style. Une idée idiote bien écrite restera idiote. Et risque même de devenir encore plus ridicule si on la traite avec trop de respect. C'est quoi le style Cadieu? Oh, bon, je serais bien incapable de dire. Attendez, livre après livre, expérimentation après expérimentation, ça y est, vous avez dû l'affiner tout de même, non?
Je ne sais pas. Moi, je fais des efforts pour essayer de faire des choses simples, mais je mets du temps. C'est l'objectif, c'est ça. C'est d'essayer de faire sentir dans les livres les petits bords qu'il y a. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que par exemple la poésie, c'est-à-dire la sensation de faire des objets, est-ce que les petits blocs là, dans tout. Les petits blocs, comment est-ce qu'on peut faire un roman, par exemple, si je me suis efforcé, je ne sais pas si j'ai réussi, mais à ce qu'on sente quelque chose comme une forme sans qu'on la voie, ça me passionne. Et je continue. C'est pour ça que je continue, parce que c'est très excitant, cette formule magique-là, à trouver. Le tome 1 de l'histoire de la littérature récente vient de paraître chez POL, 180 pages, ramassées des petits livres qui font deux pages et demie. Combien de volumes prévus?